C'était si de David de Goudreau. Maintenant, on rejoint Élodie Comtois en direct de la France. Comment ça va, Élodie? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Il est tard pour toi. Merci de veiller si tard. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour CIVS? Pour les étés généraux, tu es où exactement en France? Je suis en Provence, dans le Var, dans les collines et avec les cigales et les grillons. Ah, ben ça change la rue Sainte-Catherine, hein? Ah oui. Assez belle. Et t'es là pour plusieurs raisons. La première, tu t'occupes, je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, tu fais de la transhumance, est-ce que tu... Ben oui, je reviens de la transhumance. Ben oui, tu peux nous dire un peu c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas l'expression? Pendant 11 jours, je suis partie avec un groupe de bénévoles et surtout avec deux bergers, amener les brebis à la montagne, puisque... dans le bain, dans la région maintenant, l'herbe est trop sèche. Alors, il faut emmener ces belles bêtes, paître de l'herbe bien belle et fraîche et verte. Et donc, c'est une tradition qui se perd. Hein. Je vous prépare bientôt un petit reportage sur la chose, puisque j'ai enregistré pas mal de sons dans ce périple de 200 km quand même. Wow, super, ça s'est bien passé. C'était extraordinaire. Bon, magnifique. Ben écoutez, on va attendre ton reportage, mais en attendant, tu peux nous parler aussi de quelque chose qui fait les manchettes un peu quand même ici, tout ce qui se passe du côté des intermittents du spectacle. Il y a une crise quand même de ce côté-là qui bat son plein en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel est l'enjeu par rapport aux intermittents? Alors, d'abord, je vais un petit peu expliquer quel est ce mot qu'on connaît peut-être pas très bien du côté de ce côté-là de l'Atlantique. L'intermittence, c'est en fait un régime qui a été créé avant tout, d'abord pour les techniciens du cinéma, puis qui a ensuite été étendu à l'ensemble des travailleurs du spectacle. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, c'est entre les temps, donc entre les moments où... les gens ne sont pas en représentation pour les comédiens ou pour les techniciens qui ne travaillent pas sur un spectacle, entre guillemets bien sûr, ils sont indemnisés par l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir au bout de 8 mois avant au bout de 10 mois pardon, avant c'était 12 mois, 507 heures travaillées, ce sont des cachets qu'ils doivent déposer à l'assurance chômage qui sont déclarés, qui sont reconnus, et une fois qu'ils ont comblé ces 507 heures, ils reçoivent une indemnisation d'assurance chômage. En 2003, ce régime-là avait été modifié, donc avant c'était sur une année, et là maintenant c'est plus que sur 10 mois, ça avait donné lieu à des très grosses mobilisations. Et en fait, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que pour les artistes, alors c'est un régime qui est exceptionnel, qui fait partie quand même de l'exception culturelle française et qui est assez... D'un point de vue québécois ou même de plusieurs pays européens, ça paraît extraordinaire, mais c'est un acquis social très 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 précieux qui fait partie justement de cette volonté de protéger les artistes et de leur permettre de vivre décemment, puisque sur les 507 heures déclarées, évidemment, les artistes, les intermittents du spectacle travaille deux, trois fois plus, puisque évidemment quand il y a une représentation, bien derrière il y a des heures et des heures et des heures de répétition qui bien sûr ne sont pas payées. Donc c'est un petit peu pour pallier tout ce travail qui est particulier en fait aux gens du spectacle que ce système-là a été mis en place. Puis là la problématique, c'est que on veut durcir un peu les critères d'éligibilité. Exactement, j'imagine. En fait, c'est ça. En fait aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance chômage elle est gérée par plusieurs partenaires, donc des associations patronales, des associations syndicales, et ils se sont entendus pour un nouveau régime qui est là où le bât blesse surtout, c'est ce qu'ils appellent un délai de carence, c'est-à-dire c'est le moment où, entre le moment où on dépose ses heures et le moment où on est indemnisé, il y a un temps qui va être de plusieurs, un mois voire plus, avant de toucher son indemnisation, et ce qui a déjà fait grincer beaucoup les dents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les associations se sont mises d'accord sur cet accord-là, sauf la CGT, qui représente majoritairement les intermittents du spectacle. Mmh. Alors donc, les intermittents du spectacle se sont mobilisés pour demander au gouvernement de ne pas ratifier l'accord qui a été mis en place par tous ces partenaires sociaux-là. Mmh. Y a eu une énorme mobilisation de leur part.
Malheureusement, le gouvernement vient de le ratifier, mais voyant la soupe chaude, puisqu'il y a vraiment une mobilisation très forte, d'ailleurs les intermittents ont adopté le carré rouge, oui. Ils ont la bonne idée de reprendre les idées des étudiants, puisque c'est vraiment une question de précarité en fait. C'est aussi les intermittents sont déjà dans une situation précaire et risquent de l'être de plus en plus. Et en fait, le Premier ministre a donc ratifié l'accord, mais déclaré qu'il mettait en place une sorte de concertation avec plusieurs sages pour revoir le régime des intermittents. Alors, tous les intermittents la trouvent assez rigeaune, puisque ils trouvent ça assez, disons que ça paraît très schizophrénique de signer un texte d'un bord puis de dire qu'on va essayer de trouver une solution de l'autre. C'est ça. Puis est-ce qu'il risque d'avoir des perturbations? Il y a le Festival d'Avignon qui va commencer, oui, bientôt. Il y a beaucoup d'événements culturels en France. Est-ce que donc les syndicats ou les intermittents promettre de, empêcher la tenue des spectacles ou des choses comme ça? Bien sûr. En fait, au niveau du Festival d'Avignon, ils ont décidé à 80% de le maintenir, de ne pas l'annuler, mais d'opter pour des actions de perturbation. Il y a plusieurs festivals quand même qui ont été annulés, dont un à Montpellier, d'autres qui sont maintenus. C'est très difficile quand même pour les artistes parce que c'est beaucoup de travail derrière toutes ces représentations. Alors c'est toujours un déchirement de choisir entre les deux, mais et puis il y a une volonté de la part des intermittents de montrer que cette lutte-là, elle n'est pas juste pour eux, c'est tous les précaires qui sont concernés par cette mesure-là, puisque l'assurance chômage concerne pas seulement les intermittents, elle concerne l'ensemble de la population, mais eux ils ont un régime comme spécifique un petit peu. Donc oui, effectivement, on va être dans un été perturbé. Alors, les intermittents ne sont pas dupes. Ils voient bien que Manuel Valls parle de cette mission de concertation pour essayer de calmer le jeu et de sauver les festivals qui sont un gros enjeu culturel et économique quand même en France. Donc voilà, on en est là. Je pense que c'était important de témoigner de cette situation. Parce que, oui, c'est un acquis social précieux en France et ça fait en sorte qu'il y a des artistes qui peuvent vivre de leur art, mais pas seulement, des techniciens, du spectacle. Tout le secteur de l'audiovisuel, les radios fonctionnent à l'intermittence. Un secteur culturel qui est qui va très bien au niveau de ses chiffres. Et c'est aussi parce qu'il y a des intermittents qui sont là, qui ont cette souplesse-là avec ce système-là, mais qui les fragilise, mis à mal, quoi. Bon, écoute, Élodie, je te remercie beaucoup pour ces explications-là. Je te souhaite... La transhumance est terminée, donc tu reviens à Montréal bientôt. Voilà, et je vais au Festival d'Avignon la semaine prochaine. Bon, alors. La vie est difficile. Donc, écoute, on souhaite bon festival, bonne perturbation, s'il merci. Y en a. Puis, merci d'avoir veillé si tard pour nous. C'est très apprécié. Donc, merci beaucoup. À bientôt, bonne émission. C'était Élodie Comtois qui est en direct de la Provence.